Confidentiel, Paul Biya préparait la succession de Gongo et de Samuel Mvondo et Yolo. Le remaniement ministériel est toujours attendu. Paul Biya veut faire la place à André Manu Ekoumou. L'actuel ambassadeur du Cameroun en France peut être à la présidence de la République. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Selon les informations données par le lanceur d'alerte Bory Bertolt, Paul Biya prépare un véritable coup de poker. Selon lui, le président de la République veut faire de la place à un de ses proches. Il s'agit d'André Manu Ekoumou, actuellement en poste à l'ambassade du Cameroun à Paris. Selon les informations, pour tailler une place à André Manu Ekoumou, Paul Biya viderait deux postes stratégiques. Tout d'abord, celui du secrétariat général de la présidence, actuellement occupé par un certain Ferdinand Gongo, qui n'est plus à présenter. Il n'est pas le seul dans le viseur. À en croire le lanceur d'alerte, Samuel Mvondo Iyolo, actuel directeur du cabinet civil de la présidence de la République, pourrait aussi faire les frais de l'arrivée de Manu Ekoumou. L'ambassadeur du Cameroun en France, André Manu Ekoumou, a récemment effectué plusieurs jours au Cameroun. Au Saint-Sérail, il aurait à cet effet été consulté dans l'optique du prochain remaniement ministériel, où il est pressenti pour le poste de secrétaire général de la présidence de la République ou directeur du cabinet civil. André Manu Ekoumou a été nommé en 2020 à Paris par Paul Biya, dans un contexte de tension au sein de la diaspora camerounaise. Discret, reconnu pour son efficacité, ce haut fonctionnaire a effectué l'essentiel de sa carrière au Palais des Toudis, aux côtés de Paul Biya, où il est arrivé en 1995. Nous sommes au terme de la vidéo. Lanceur d'alerte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.